J'ai compris en fait, hein, j'ai fini ouais. par comprendre le rapport entre ces deux figures totalement opposées, la vierge et la putain. Ouais. Enfin, crois, enfin, ce que je comprends, c'est que... Ce que je comprends, ouais. c'est que, bon, euh, on fantasme sur la mère euh, vierge, la mère sainte, et euh, on projette ça sur euh, la prostituée, qui, elle, a priori, elle est totalement l'opposée, hein, euh, qui, qui a des relations sexuelles 50 fois par jour. Donc, mais les deux... Euh, ont pour point commun de euh, justement de maîtriser leur sexualité l'une par l'absence totale et l'autre par euh, la maîtrise la, voilà Elle disons par euh, la transformation de la sexualité en quelque chose de mécanique c'est-à-dire totalement dénué et c'est ce qui le rejoint en fait Exactement. justement voilà tout à fait d'accord et eh ben en tout cas euh, déjà j'ai <laughs> J'ai compris euh, ça, ce que je, ouais. je, ce qui était une des euh, principales interrogations quand même avant de venir ici. Et euh, ça, je l'avais pas compris. Ça, j'ai compris ça. Enfin, voilà, ça j'ai compris. Euh... Et oui, mais c'était idéalisation. Vous voulez dire quelque chose de plus par rapport à, à ça